La crise d'ado dans l'assiette, c'est pas facile, hein. Les « Ah, Barg, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'en veux pas !» Vous connaissez, hein. Bah, moi, je connais un plat qui va scotcher votre aîné, c'est le family trip du jour. Une tortilla d'onglet grillée avec sa sauce salsa, et rien que le nom, il rapplique « ventre à terre ». Tout de suite, les ingrédients. Pour 4 personnes, préparation 15 minutes, cuisson 5 minutes. Il vous faudra 600 g d'onglet, 4 tortillas de maïs, un poivron rouge, 2 avocats, un citron vert, 4 jeunes oignons, une poignée de mesclun, de la coriandre, de la sauce salsa, de l'huile d'olive, des épices mexicaines ou du sel et du poivre. Alors, je vais préparer mes ingrédients pour garnir ma tortilla. J'ai lavé ma salade et ma coriandre, j'ai coupé mon jeune oignon en lamelles, j'ai coupé aussi mon avocat, je l'ai citronné pour éviter qu'il noircisse. Jingle trip! Alors maintenant, on va cuire notre onglet. C'est vraiment un aller-retour dans la poêle. Ce qui est pratique avec l'onglet, c'est que ça se prépare et ça se cuit en un clin d'œil. Donc on est vraiment gagnant du lundi au dimanche avec ce plat-là, surtout en tortilla. Alors, on va badigeonner légèrement d'huile notre onglet et les épices pour donner un petit peu de goût. C'est ce qui va plaire à notre ado. Et c'est parti pour la cuisson. Aller-retour, hein. On jette sur une plaque bien, bien chaude. Voilà, donc vraiment un aller-retour. On les laisse bien saisir. Il faut que ça reste saigné à l'intérieur. On n'attend pas plus longtemps. Et c'est parti. On les met sur une jolie assiette. Jingle muy caliente. Alors, je récupère mes onglets de dessous l'assiette. Je vais les saler un tout petit peu. Et je vais les couper en lamelles. Alors maintenant, on va garnir la tortilla. Je vais vous montrer comment on fait. On la prend. On met un lit de salade, un peu de fraîcheur avec la coriandre qu'on rajoute ensuite. 3 lamelles de poivron, les avocats, les oignons, on les dresse comme ça, vous voyez la belle tortilla. On rajoute maintenant la viande, des morceaux, 3-4, un peu de salsa qui va donner el fuego à la tortilla, si. Et puis, ben, il ne reste plus qu'à la fermer. Alors, regardez ma technique. On la ferme comme ceci. On prend un pic, un cure-dent. Et voilà, c'est presque cousu. Il n'y a plus qu'à déguster. Notre ado va adorer. Moi, j'y vais. C'est parti. Vous voyez, cuisiner les produits tripiers, c'est pas compliqué. Si moi, je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Bon, ben là, maintenant, il va falloir que j'enchaîne parce que je sens qu'il va vouloir inviter tous ses potes. C'est parti pour 4, 5, 6 tortillas.